Début du XVe siècle, Henri le Navigateur, prince du Portugal, lance les premières explorations maritimes afin de trouver une nouvelle route vers les Indes. 1434, les Portugais doublent le cap Porrado et s'en reviennent à Lisbonne raconter leur exploit. En 1471, malgré leur peur de griller comme en enfer, ils franchissent l'équateur, cette ligne imaginaire qui départage la Terre en deux hémisphères. En 1488, Bartolomé Dias double le cap des tempêtes qui prend le nom de cap de Bonne Espérance. En 1497, Vasco de Gama ouvre enfin la route des Indes à l'empire colonial portugais. 1542, Ferniao Mendes Pinto et son capitaine Antonio de Faria sont les premiers Européens à s'aventurer jusqu'en mer Jaune. Fausse compagnie. Hein? Alors! Le guide Similo et les marins chinois ont disparu, monsieur. Ils sont partis parce qu'ils ont peur. Ça fait des mois que nous naviguons dans ce pays inconnu. Nous sommes tout près du but. Notre capitaine Antonio de Faria n'abandonnera sûrement pas. Et si ce traître de guide a dit vrai, les tombeaux des anciens rois regorgent de trésors. Allons, jeune homme, courage. Nous allons kidnapper quelques Chinois qui nous indiqueront le chemin de Calampuy. Et de la richesse. Tu crois qu'avec tes 3 grains de riz, tu vas détourner la colère des dieux? Moi, j'étais d'accord quand on poursuivait le JSM pour récupérer la marchandise qu'ils nous avaient volée. Mais piller des tombeaux sans défense, c'est pas chrétien. Le capitaine Antonio. Quels gens êtes-vous, étrangers? Que cherchez-vous en ce lieu de repos éternel? Au nom de mon capitaine Antonio de Faria, je te salue, noble vieillard. Nous sommes d'honnêtes commerçants du royaume de Siam qui avons fait naufrage. Nous venons pour... demander quelque aumône. Hé, balle, c'est pour le capitaine. J'ai bien entendu tes paroles et bien compris aussi le projet de ton capitaine. Il vient voler des tombeaux sacrés sans défense, mais il sera châtié! Je me repens déjà de ces grands péchés, vieil homme, et je ne puis maintenant changer d'avis. Mes sommes m'étouraient si nous repartions les mains vides. Quel menteur! Dommage que le vieux ait réussi à donner l'alerte. Nous aurions emporté encore plus d'or si nous avions eu plus de temps. Au sud! Du gros temps qui nous arrive droit dessus! Non! La jonque du capitaine a disparu! Lorsque Ferniao Mendes Pinto rentre au Portugal en 1558, il écrit le récit de ses aventures rocambolesques en Orient. Son histoire semble tellement incroyable que son nom fait l'objet d'un jeu de mots, Ferniao Mendes, ce qui signifie en portugais « Tu mens, Fernand ».